quand on commence à être fixé là-bas, tu repars avec Guillaume. Ouais, Guillaume, une solution. Mais ce que tu peux faire pour aller aussi plus vite, c'est le toucher lui, là. Et là, ça va aller plus vite. Et en plus, quand on sera un peu plus mûr dans le jeu, ça n'empêchera pas Guillaume, pourquoi pas, de faire une petite diago et revenir là-bas. Tu vois? Ok? C'est venir dans le partage et dans l'aide. Voilà, on a des jeunes personnes qui sont dans des situations d'interrogation, de nouveaux projets, et c'est venir effectivement partager mon expérience, celle du staff, puisque je suis pas tout seul, et aussi de les accompagner dans ces 3 semaines. Voilà, et c'est ça qui m'a animé, c'est voilà aider, puisque moi je suis disponible aujourd'hui et quand je peux le faire, je le fais. Vous êtes joueur de foot, quoi, et joueur au pied, hein, d'accord. Donc de vous peut partir le prochain but, pour nous, hein, bien sûr, d'accord. Vous loupez un truc, c'est pas un problème, ça arrive, d'accord. Okay. Et comme on est dans une situation où on est plutôt sous forme de matchs amicaux, sur des trucs, voilà, tenter des choses, d'accord. On a un cahier des charges, hein, vous nous avez donné un cahier des charges, c'est d'essayer de faire jouer un maximum de joueurs, ça c'est sûr. De trouver les meilleures combinaisons aussi pour que voilà, tout le monde puisse bien s'entraîner, prendre de bonnes sensations, se préparer à un futur projet. Et puis aussi de répondre aux objectifs des matchs, parce qu'on va jouer différentes équipes, on veut se montrer, on veut être performant, et puis même à la tête de l'UNFP, PFC, on a envie de gagner. Donc on a effectivement des contraintes, mais il y a tellement d'envie, il y a tellement d'énergie positive, il y a tellement une grosse débauche d'énergie, puis vraiment un effectif et les joueurs à l'écoute que c'est super plaisant. Fais gaffe PK, tu te projettes vachement, c'est bien, c'est intéressant, mais il n'y a pas de souci, d'accord. Après, est-ce que c'est le job? Est-ce que c'est le job du 6 d'aller, tu vois, derrière? Il y aura du monde, hein, okay, là vous êtes que 9, d'accord. Fais attention à ça, ok. Parce que moi, je te veux là après, hein, hein, ok. Oui, alors je suis dans des conditions extraordinaires puisqu'on est à Clairefontaine aujourd'hui, on a un staff, on est surtout bien staffé puisqu'on était 10, le docteur est parti hier, mais on a vraiment tous les univers, on a même de la prépa mentale, vraiment des conditions optimales de manière à ce qu'on retrouve ce que les joueurs peuvent reconnaître, même en Ligue 1. Donc on est vraiment dans des super conditions et on voit bien que les joueurs sont considérés, et ça c'est hyper important dans cette période-là en plus, et que ça leur permet de pouvoir rebondir et qu'il faut venir ici avec cette envie voilà, de rejouer, de retrouver de la connexion avec ses partenaires, de retrouver des sensations, de très bonnes sensations, et puis surtout plaisir.